Bonjour les petits fureaux, on se retrouve aujourd'hui pour le passage à niveau BN20 sur la commune de Nointel. À tous, bon visionnage. Donc, comme je répète, je me situe au passage à niveau PN20 sur la commune de Nointel. Sois guillé avec moi. La commune de Nointel est à peu près à 100 mètres d'ici. Donc là, c'est côté direction Nointel-Mour. Donc à quelques kilomètres, je dis un ou deux en grand maximum. Donc on est vraiment proche de la gare de Nointel. Écoute, on est vraiment proche de la gare de Nointel-Mour. Et là, c'est côté direction Paris. Donc on a deux beaux virages. Là, on a l'indicateur. Bel indicateur. Je vous le dis. C'est normal qu'il y ait des trucs oranges sur les rails. C'est pas des trucs oranges. Donc là, ça sera deux trains. Donc le premier à 18h13 et le deuxième à 18h45, je crois. Il y a une Nointel là-bas. Attends, là, c'est des appareils du PN. PN20, c'est écrit dessus. Bah, on est vraiment proche du PN20 qui est là-bas. On le voit pas, mais on est vraiment proche. On est à 1 km. Bon, bah, les amis, je vous reprends tout à l'heure. Quand le train arrive, on ne peut pas avoir des TER Picardie aujourd'hui parce qu'il y a des travaux sur la ligne. Mais on peut avoir des NAT en Z50000. Donc, c'est la ligne H. Cette ligne, c'est la ligne H du Transilien. Donc, comme à Parmain, etc. Non, il va stationner. Bon, mais les amis, je vous reprends tout à l'heure une fois que le premier, le deuxième train arrive. Allez, à tout à l'heure, les gens! On se revoit dans un instant. Ça y est, indicateur, volume, sur rouge. Ça y est, c'est une Z50000, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est là-bas. Il arrive vite, attention! Bon les amis, il était rapide le train, hein. Très rapide. À mon avis, attends, on est en train de ralentir. À mon avis, il va s'arrêter en gare de Nointel-Mour, celui-là. Là, je vois le panneau d'entrée de la ville de Nointel, là-bas. Le prochain train, il est à 18h45. Donc, les amis, on se revoit dans à peu près une demi-heure, peut-être, pour le deuxième Z50000 en une NAT pour... Pourquoi je le filme, voilà. Voilà, on se revoit tout à l'heure. Voilà, voie 2. Ça y est, le voyageur arrive. Il arrive plus lentement que d'habitude. C'est encore une Z50000 NAT en UM. Il arrive vite. Une belle Z50000 et merci au conducteur pour le signe qu'il m'a fait. Voilà. Allez vite, reste sur un endroit stable, le TER il arrive. On va voir si y a un TER. Exact, c'est un TER. Qu'est-ce qu'on a voilà? C'est un TER Picardie, à mon avis. Oui, il est en UM. Non. Attends, je vais voir. On va voir.
Je crois qu'il est en unité simple, je sais pas. Par contre, il arrive à la vitesse moyenne. Sifflet, vous êtes content? Un compte, il a sifflé un petit peu en retard, il a sifflé. Non, pas en retard, il a sifflé à l'avance. Non, pas en, non, avance, il a sifflé juste quand il était là. Ouais, là, le train. Il passe à la gare de Noantel sans s'arrêter. Parce qu'en fait, les TER qui passent sur cette ligne, qui sont en provenance de Paris et à destination de Beauvais, eh bien, ils passent jusqu'à Percé-en-Beaumont sans s'arrêter. Ça y est, voie 2, à mon avis c'est le TER Picardie. Ouais, c'est bien un TER Picardie. En UM, non, en unité simple. À mon avis il arrive à 160. Ouais, il arrive à 160.